Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est Champy, on est sur Fortnite et je voulais entraîner une fois mon aim en Fort d'Empoigne, mais j'ai vu qu'il y avait les opérations destruction, donc une création de la communauté. Et j'ai bien envie de tester ça étant donné que c'est un petit peu comme du CSGO où on a une seule vie par manche et on va planter une bombe en A ou en B. Et c'est carrément du Counter-Strike. Du coup let's go, on va jouer à ce jeu. On verra un peu ce que ça donne. Let's go. Et c'est parti, début de la manche, c'est parti. Oh, ça lag un tout petit peu. Ça devrait le faire. Je sais pas un peu comment ça fonctionne, mais bon, on verra. Donc je pense qu'on n'a pas le droit de construire. Allez, c'est parti, on va aller en site B. Mais je me demande à quelle map cela ressemble de CSGO. On va essayer d'empêcher les joueurs adverses de planter. Là on a des joueurs. Oula. Ok, on est 2, 4, 6, 6 contre 6. Il nous en reste un en vie. Et la première manche elle... Ok, donc première manche, défaite 1 sur 11, on a perdu la première manche. Let's go. Ah, là on peut acheter, on a 150 pièces, qu'est-ce qu'on pourrait acheter? Ah, on a acheté du shield, et on achèterait bien ça, on va acheter. Comme ça on a une petite mitraillette, ça sera très efficace, on va aller en bombe A une fois, en site A, let's go. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si le mode vous plaît, si vous avez déjà essayé. Et ce que vous en pensez, pour moi ça ressemble fortement à du CSGO. On peut construire. Je ne sais pas trop où sont les ennemis, mais... On va rester en position. On va essayer de tuer notre premier ennemi. Let's go, c'est bon. On a tué notre tout premier. On se fait discret. Et on va essayer de poser. Hop, let's go, on pose la bombe en site A. Et ça s'est planté. On va essayer de défendre notre zone. Ah ça c'est bien, on s'est carrément placé des petits murs. Ah mince, ils sont... Ah il nous reste 20 secondes et on va pas pouvoir peut-être gagner cette manche. Deuxième manche, aussi une défaite. Let's go, on a 200. Qu'est-ce qu'on achète très bien? Un petit gun là, je pense, on devrait bien acheter. On va reprendre une grenade. Et en deuxième, on va reprendre notre mitraillette. On avait réussi à tuer quelqu'un de cette manière. Donc on va essayer de faire ça. Prochaine round, je pense qu'on va echo. Hein. Allez, let's go. On part ensemble. Il faut partir en groupe. C'est mal lancé. Essayer de voir où il se trouve. Nice. Let's go, j'espère qu'ils vont réussir à venir. Ils sont en B. Nous on va planter la bombe A. Let's go. Et après on va aller vite en B, je pense. En tout cas on plante la A. Et on va se cacher ici un petit peu. On va un petit peu attendre que quelqu'un vienne désamorcer. Toujours 3 contre 2. Et là, c'est la win. Let's go. Oh, on aurait dû récupérer peut-être du stuff. Et première victoire de ce posage de bombe. Oh, on est premier au score, ça c'est bien. On va aller chercher par contre
va chercher ceci, je pense, pour notre game. Regardez ça. Allez, let's go. On va foncer directement. Allez, let's go. Mince. On est 4 contre 2. La partie, elle est bien partie. Enfin, la partie est bien partie. Allez, let's go. Il en reste un. Nice. Manche 4 sur 11. On a donc une victoire 2-2. Let's go. Okay. On va quand même garder notre stuff, mais on va quand même prendre du shield. Là. Shield est fait. Et les munitions. Est-ce qu'on peut prendre des munitions ou pas? On va pas prendre... ce qui est dommage. Ok, ça explose. On tire un petit peu à l'aveugle. Ah, on a changé de camp. C'est parti. Allez, vite en zone A. Let's go. On va pas rush, ça ce sera pas le plus intéressant à faire, mais on va quand même se poser. Let's go. Allez, let's go, premier kill. On prend. Ah, nice, je pense qu'on a réussi à tuer tout le monde. Donc on est à 4 victoires contre 2. À la manche 11. On va faire notre premier round d'économie. On reste... Let's go, on va récupérer le shotgun. Et on a déjà réussi à faire cette victoire rapide, nice. Et on va choper du coup un petit sniper, je pense. Let's go. Est-ce qu'on irait pas en zone A ou en zone B? On prend le snipe. Est-ce que ça va venir? On prend nos positions. On va essayer d'aller en ligne. Ah, je me lance la grenade sur moi. Zone A, zone B. On n'a plus que 2 contre 3. Va vite aller voir la zone B. Let's go. Et nice, on a du coup gagné. Donc on a fait 6 victoires à 2. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît ce genre de vidéo sur les créations de la communauté. En tout cas, moi j'aime bien le principe, c'est un petit peu la Counter-Strike, je trouve. Du coup les amis, ce sera la fin de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aimer, à partager et à vous abonner à la chaîne. On va tester la deuxième map d'ici 2 minutes dans une autre vidéo. Comme ça, ce n'est pas trop long. Et en tout cas, moi, personnellement, j'apprécie énormément les créations de la communauté, étant donné qu'elles sont plutôt chouettes. Et n'hésitez pas à venir nous rejoindre pour jouer ensemble. Et à bientôt. Ciao, ciao.